Oui, on a les explications. Avec l'explication, vous savez ce que vous voyez. Ouais. Donc vous êtes sur un site qui fait 300 hectares. On pense que ça a 2000 ans. Là-bas, c'est un marécage domestiqué au fil des siècles. Et ça aurait commencé à l'invasion romaine. Alors, le mot ortionnage vient de hortus, le jardin en latin. C'est la même base qu'horticulture. 300 hectares au total, 4 villes autour, Amiens, Rivry, Camon et Longo. Camon, c'est la ville des maraîchers. Et il y a 65 km de canaux. Alors nous, on va naviguer sur les rios, sur les canaux publics, profondeur moyenne 1m20, 1m50. Et sur les côtés, on croisera des fossés, les canaux privés, qui servent à se garer pour ne pas gêner la navigation. Tournage créé en 75 pour lutter contre le projet de rocade. La rocade d'Amiens, que vous connaissez peut-être, devait traverser le site à l'origine, ce qui avait fait scandale. Il y a alors eu un long combat juridique que l'association a gagné, après quoi elle a été reconnue d'utilité publique. Et depuis, elle a deux buts. Refaire les berges après tout temps, alors ça on va voir sur le parcours comment font les ouvriers d'association. Et l'autre but, c'est faire connaître le site par les visites, tout simplement pour faire découvrir le site et pour financer l'association. So people live there. For the comfort, they have a direct access by walk. The difference between the limit of the site and inside. Pour le confort, vous voyez qu'il y a un accès direct par passerelle. Et donc les barques ici servent à aller dans le site, où là au contraire, nous allons voir uniquement des cabanes sans zone électricité. Il faut bien différencier la limite du site habitable et l'intérieur. Base et peu de moustiques parce qu'ils ne pompent pas dans le cours. Alors là, vous voyez, les berges sont refaites par les ouvriers de l'association, le tunage. Pieux d'acacia, planches de chêne, grilles anti-ramusquées, là les animaux ne peuvent pas creuser. Derrière, c'est un géotextile qui maintient la terre. Ça empêche l'eau de creuser. Those are very important there because it's a main sport with aperitif. Some specialty beers in the Peak District. Could be fine. Yeah. 10% du site sont maraîchers, ça représente une trentaine d'hectares. Le reste, c'est du loisir. Et ils sont plus que 7 familles de maraîchers qu'on appelle les ortillons. Ils étaient 1000 il y a encore un siècle. Deux font du bio. Alors pour travailler la terre, ils amènent un petit tracteur sur une barre. And we have that here because there is a microclimate. Ah bah tout à fait, nous dans le Marais Poitevin, on avait loué une barque une fois. Ah oui, tout à ça doit se garder de père en fils. Ah oui, souvent, oui, oui. Par les bateaux et ça s'attaque aux dames. J'ai pas peur. Sometimes you can see holes in the banks. And a beaver. Beaver. Yeah. It's cousin of a beaver. Ils se reproduisent. Alors là, cette cabane en dur, l'ancienne cabane du fondateur de l'association, il avait construite au début des années 70 à l'endroit qui devait être traversé par la rocade. Il faut imaginer ici même l'autoroute sur un viaduc. The main canals like this are public. Là-bas, on entend piailler les grès, ben, ils réclament du poisson sans arrêt. Et interdit d'introduire des espèces invasives. Ah bah c'est sûr. Ouais. Alors que ce soit plantes ou animaux, hein, en plantes, il y a aussi la renouée du Japon et la jussie du Brésil. Oui, ouais, la jussie, oui. Le fond est privé, mais l'eau appartient à l'État. Et le poisson appartient au syndicat de pêche du coin. Donc s'ils veulent pêcher, malgré le fait qu'ils sont chez eux, ils doivent avoir un permis. Ouais, d'accord. Ouais. À partir du moment où vous avez un étang qui est ouvert sur une rivière, on considère que ce n'est plus votre poisson. Que limitrophe, la Somme passe de l'autre côté. Donc c'est pas très large en fait. Et alors le Vergalan, c'est Henri IV, hein, c'est le roi aux 73 maîtresses. Alors, vous savez que des Vergalans, il y en a partout. 73 maîtresses officielles. Et par rapport à Amiens, il a arrêté l'envahisseur espagnol qui descendait des Pays-Bas.